Bonjour à tous, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera pour un mini spray bonne nuit et un roll-on qui va avec, bonne nuit, relaxant, voilà quoi, anti-stress, pour zen, quoi, enfin, attitude zen. J'ai choisi, bien sûr ce sera un style essentiel. Je voulais quand même qu'il y ait une bonne odeur, hein, quand même que ce soit agréable. Donc ce sera autour du thème des agrumes. Alors voilà, on aura un petit flacon de parfum de 10 ml comme ça. Et un petit roll-on de 10 ml aussi. Le but du petit parfum, c'est pas gicler dans l'air parce que ça tient pas, mais c'est de prendre des petits cailloux, ces petits cailloux qui pompent le parfum, de gicler sur les cailloux, et ces cailloux vont évaporer l'odeur. Donc ces cailloux, vous pouvez en avoir, je sais pas, sur votre table de nuit, au bureau, au salon, enfin, où vous voulez. Alors, pour cette recette, donc pour le spray, hein, c'est le spray bonne nuit, nous aurons besoin comme base de la base parfum. Si vous n'avez pas de base de parfum, vous pouvez aussi prendre de l'alcool à 90 degrés, ce qui fait pour les Français à 90 degrés. Voilà, j'ai décidé de mettre l'huile essentielle de mandarine. C'est une huile essentielle qui lutte contre les insomnies, le stress et la nervosité. Donc tout à fait adaptée à ce que je veux faire. Ensuite, je vais mettre de l'huile essentielle d'orange douce. Donc ça aussi parce qu'elles sont très bonnes, c'est clair. Mais elle a encore les vertus suivantes. Hein. Donc elle est calmante, relaxante, sédative, antidépressive et anti-trouble du sommeil. Alors voilà. Je vais encore rajouter l'huile essentielle de petits grains. Celui-ci est très réputé justement contre les troubles du sommeil, tout ça. Alors lui, il agit justement contre les insomnies, la nervosité, les ruptures sentimentales, les déprimes et la tristesse. Je vais encore rajouter l'huile essentielle de verveine. Alors elle est sédative, équilibrante du système nerveux, antidépressive, améliore la concentration, favorise l'inspiration, lutte contre les insomnies, le stress, la dépression saisonnière. Voilà, donc je pense qu'en effet, c'est une huile qui a vraiment sa place dans ce produit. Et pour terminer, ce sera de l'huile essentielle de citron vert. Alors, lui aussi, hein, ils sont super bons. Voilà, comme je vous ai dit, hein, c'est basé sur les agrumes. Mais il est aussi anti-stress, anti-anxiété et anti-nervosité. Donc, une fois de plus, il a vraiment sa place là-dedans. Alors, nous allons commencer notre recette. Donc, ça va être tout simple. Je vais prendre ma base de parfum. Voilà, un petit entonnoir. Si je peux bien montrer, oui, juste. Et je verse un peu de ma base de parfum dans mon récipient. Je vais rajouter 10 gouttes de citron vert. Je vais encore rajouter 10 gouttes de verveine. Alors voilà, vu que la verveine ne veut pas couler, on va la faire couler avec la pipette. Par contre, alors elles sont vraiment super.
super, super, super bon. C'est une huile de très chère, mais alors elles sont vraiment bonnes. Voilà. Je vais encore rajouter 12 gouttes d'orange. Voilà, je vais encore rajouter 12 gouttes d'huile essentielle de petits grains. Goutte d'huile essentielle de mandarine. Et maintenant, je finis de remplir mon petit vaporisateur avec ma base de parfum. Alors, voilà, je mélange. Comme ça, je secoue. Je mélange les huiles. Et je peux asperger mon petit caillou. Et ils sont vraiment super, super, super bons. Alors, ça, c'est des choses, vous pouvez en abuser tant que vous voulez. En mettre autant que vous voulez partout, c'est super vite fait et c'est génial. Alors voilà, notre spray est fini. Maintenant, on va faire le roll-on. Alors, avec le roll-on, c'est un petit peu la même chose. Simplement, on va mettre du Caprilis. Donc, le Caprilis est émollient et pénétrant. Donc, ce qui veut dire qu'il ne laissera pas de film gras, pénétrera tout de suite dans la peau, ce qui n'est vraiment pas plus mal, c'est un peu ce qu'on cherche. Voilà, après vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de Caprilis, vous pouvez aussi tout à fait mettre une huile, hein. Il n'y a pas de souci, une huile de jojoba, voilà, une huile pas trop facile. Voilà, donc on fait comme avant. Je vais remettre 12 gouttes d'huile essentielle de petit grain. Gouttes d'huile essentielle d'orange douce. Douze gouttes d'huile essentielle de mandarine. Goutte d'huile essentielle de citron vert. Et 10 gouttes d'huile essentielle de verveine. Elle ne veut pas toujours couler depuis tout à l'heure. La verveine, elles sont vraiment trop trop bonnes ces huiles. Voilà, alors je remets mon entonnoir, je verse, je finis de remplir mon petit récipient. Voilà. Voilà, je secoue bien. Et voilà, tous les deux sont prêts. Pour le roll-on, moi j'en ai pris un en plastique chez Aromazone. Simplement parce que comme ça, si je veux en laisser un dans mon sac ou en avoir un suivant où je vais, dans ma poche de veste ou je sais pas quoi, je sais qu'il va pas se casser. Donc pour
pour ça, je préférais en avoir un en plastique. Mon petit spray là est en verre, mais pour le relais, je préfère en avoir un en plastique. Si ce n'est même plusieurs, ça ne m'étonnerait pas que je m'en fasse encore d'autres. Enfin, tout ça à voir. Alors, j'espère que vous avez aimé cette recette. Je vous donnerai des nouvelles dans le bilan de la fin du mois. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.